Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Je vous propose ce soir deux prières. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de prière. Ce sera en rapport avec un archange. Donc, j'espère déjà que vous allez bien, chers amis. Bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour cette chaîne donc de prière et de protection, surtout en cette période où le mal veut prendre le pouvoir sur les personnes de bonne intention, sur les guerriers de lumière, sur les êtres de lumière. Donc, pour moi, ça a été le cas. Donc, je partage beaucoup de choses maintenant, pas très souvent, mais soit des rituels, soit des prières. Et ce soir, il y aura les deux. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de prière, donc il y en aura une. Et une vidéo sur une protection avec un sceau que je vous mettrai en fond d'écran, que vous pourrez en fait copier sur votre téléphone pour l'utiliser comme image de protection. Alors, je le chercher sur ce téléphone-là. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous partager donc une prière à l'archange Métatron. Métatron, c'est l'archange des archanges. C'est celui qui est le plus proche, on va dire, des dieux de l'univers, en fait, de la source. Cette prière permet l'illumination spirituelle et l'équilibre des émotions. Donc, on va commencer par cette première prière, si vous voulez invoquer l'archange Métatron pour ces deux choses. Avoir une illumination spirituelle, c'est ce qui est aussi en cours actuellement pour beaucoup de signes d'éveil spirituel, de réveil. Et puis, pour équilibrer vos émotions, pour être dans une stabilité et un accord corps-âme-esprit. Je la récite lentement. Ensuite, je vais la réciter plus rapidement, comme je fais toujours. Et vous pouvez simplement la répéter après moi quand je la récite lentement. Et ensuite, on passera à autre chose. Donc, ce sera par rapport à un sceau de protection. Je dois prendre quelque chose ici. Hop, voilà. Je m'excuse. Il fallait que je gère. Alors, je commence la prière. Récitez après moi. Cher archange Métatron, éclaire-moi de ton étincelante lumière. Aide-moi à l'activation de mon chakra étoile et au processus d'ascension à la conscience cosmique et à l'illumination de mon âme, si cette grâce me convient. Confère-moi un équilibre émotionnel, mental et spirituel parfait, grâce aux formes géométriques sacrées que tu peux inscrire à l'intérieur de mon être, si je le mérite. Aide-moi à être dans la vérité, auprès de toi et du Tout-Puissant. Pour l'illumination de mon âme, dans la pureté divine et lumière de Dieu, je t'en remercie de tout mon cœur. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Maintenant, je vais la réciter de manière plus rapide. Donc, simplement, vous pouvez écouter la vidéo et répéter cette prière après moi quand je la récite lentement. Donc, prière à l'archange Métatron pour l'illumination spirituelle et l'équilibre des émotions. Cher archange Métatron, éclaire-moi de ton étincelante lumière. Aide-moi à l'activation de mon chakra étoile et au processus d'ascension à la conscience cosmique et à l'illumination de mon âme si cette grâce me convient. Confère-moi un équilibre émotionnel, mental et spirituel parfait. Grâce aux formes géométriques sacrées que tu peux inscrire à l'intérieur de mon être, si je le mérite, aide-moi à être dans la vérité auprès de toi et du Tout-Puissant
pour l'illumination de mon âme, dans la pureté divine et lumière de Dieu, je t'en remercie de tout mon cœur. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Alors, maintenant, je vais vous partager dans la même vidéo, ou si vous préférez, dans une vidéo différente, ce sera la protection parapsychique par rapport au sceau des sept archanges. Là, on a fait une prière sur l'archange Métatron. On va la faire en même temps, vu que c'est aussi une prière concernant les archanges. Donc, c'est effectivement une protection grâce à un sceau que je vais vous mettre. En première page, en page de garde, l'image de fond de ce tirage, de cette vidéo. Donc le sceau des sept archanges. Ce que je vais vous proposer, c'est une protection qui est puissante contre les énergies sombres, que ce soit la magie noire, les rituels, les attaques psychiques, pour beaucoup de personnes qui le vivent actuellement, et plus largement des énergies négatives, des pollutions émotionnelles ou mentales. Pour activer ce sceau, dites après moi. Vous pouvez enregistrer et noter, c'est court. Hein. Je crée ce sceau des sept archanges qui me protège contre tout le négatif. Je crée ce sceau des sept archanges qui me protège contre tout le négatif de tous les univers, dans la matière et le subtil, ici et maintenant, de manière permanente durant mon incarnation. Merci, amen, merci. On peut dire amen ou merci, merci, merci ou trois fois amen. Je vous la redis. Je crée ce sceau des sept archanges qui me protège contre tout le négatif de tous les univers, dont la matière et le subtil, ici et maintenant, et de manière permanente durant mon incarnation. Donc en fait, c'est une intention que l'on dit avec ce sceau. Pour la première fois, c'est ça qu'il faut dire. Pour activer ce sceau, c'est ce qu'il faut dire. Et ensuite, pour les prochaines fois que vous voulez invoquer ce sceau ou prier ces archanges, il faut remplacer « je renforce ». On nous dit de faire ça quand même une fois par jour. Hein. Faites cette prière d'activation de ce sceau de protection des sept archanges une fois par jour. Donc ça peut être le matin. Donc la première fois c'est « je crée ce sceau » et les fois suivantes c'est « je renforce ce sceau des sept archanges qui me protège contre tout le négatif de tous les univers dans la matière et le subtil ici et maintenant et de manière permanente durant mon incarnation. Merci. » Donc je vous montrerai ce sceau. Donc les sept archanges, c'est Michael, Gabriel, Zadkiel, Zafkiel, Samaël, Raphaël, Aniel. C'est un sceau important qu'il faut activer en l'ayant sous les yeux. Parce que le dessiner, il est assez compliqué pour ceux qui connaissent les sceaux de protection. Donc voilà, à nouveau, ces deux prières par rapport aux archanges. Une avec l'archange Métatron, une ici avec les sept archanges. J'espère que ces prières vont vous aider. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, si vous avez des questions. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir cette chaîne de protection de prières. Vika Magie Blanche, vous abonnez. Comme ça, vous recevez à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de protection ou de bain ou de rituel qui sort. Avec la petite cloche en haut à droite. Si vous voulez aussi voir mon autre chaîne sur les tirages qui vous intéressent sur le tarot, c'est la chaîne Les Guidances de Shiva.
Vous pouvez aussi vous abonner pour mon soutien et pour avoir vos tirages, vos prévisions par rapport au mois, à la semaine, etc. Là, c'est pour la prochaine pleine lune que vous avez votre tirage qui est sorti aujourd'hui. Je vous remercie pour vos commentaires, votre soutien, mes chers amis, et soyez protégés. À tout bientôt. Au revoir.